Étouffer l'affaire, je pense qu'elle est étouffée parce que depuis de longues années, parce que bon, plus ou moins, il y avait des gens qui voulaient se confier. Je sais déjà que en juin 2010, un commissaire de la Sûreté départementale avait été saisi donc de l'enquête et puis il avait auditionné des gens qui se confiaient sur le malaise qui régnait à la BAC. Et ces dossiers, ces PV, ces procès-verbaux qui ne sont plus là, bon, qui ont été occultés, maintenant si on les enlève, c'est passible des cours d'assises, mais c'est vrai que bon, on se pose des questions aujourd'hui à Marseille. Au mois de novembre, le préfet a été avisé personnellement donc, des faits et des gestes de certaines personnes donc, qui étaient dans la ligne de mire.